Magnifique cette écriture ariale. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo découverte de Sonic Force. Alors Sonic Force est le tout nouveau jeu Sonic sorti le 7 novembre, donc sorti tout récemment. Alors là on est le 9 novembre pendant que je fais cette vidéo. Donc du coup j'ai pas mal tâté de la bête. Et je suis rendu, on va dire, assez loin dans le jeu. Et donc on va découvrir la suite à partir de l'étape 20, il me semble que c'était l'étape 20. D'ailleurs, le thème qu'on entend au fond, là, quand on est dans la carte du monde, je le trouve magnifique. Et je pense que je vais l'utiliser pour la série Super LoL Saga, la saison 2. Je sens que je l'utiliserai à la fin pour le dénouement final, ça sera épique. Je me dis, ça peut être pas mal comme musique de fond. Voilà, c'est... Donc alors, à part ça, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu? Bah, y a l'histoire de l'avatar, mais qu'est-ce que c'est? C'est une nouveauté, ce Sonic Force. Il y a toujours le Sonic classique de Generation, mais en plus, maintenant, on a l'avatar, donc... C'est un personnage qu'on crée nous-mêmes. Bon, y a quand même, le choix est assez vite fait, hein. Y a quelques choix assez sympathiques, mais y a pas énormément... Y a pas non plus énormément de choix, on n'est pas dans dans un Elder Scroll, putain j'ai du mal à le dire. C'est pas la priorité quoi. Une cabine d'essayage, on peut essayer tout plein de trucs, enfin la plupart du temps c'est assez moche, hein, personnellement. Ah, peut-être que ça peut être sympa ça. Ça fait penser à Samba de Amigo, c'est beau. Non, ça par exemple, je sais pas, ça fait gangster à moitié, ah non, ça fait pirate. Non, c'est pas terrible. Bon, du coup, comme par hasard, j'ai pris un chat, parce que j'adore les chats. Dommage qu'on puisse pas l'appeler Mika. Et... J'ai pris aussi un t-shirt Knuckles parce que c'est mon perso préféré dans les Sonic. Et ça me fend le cœur comment ils l'ont détruit dans Sonic Boom. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, alors là c'était la cabine d'essayage, armoire, Wispon. Alors Wispon c'est quoi? Bah c'est les armes. Les différentes armes qu'on utilise. Donc la dernière fois j'avais celle-là qui est pas terrible. On verrouille plusieurs ennemis en même temps en utilisant des clones. J'ai pas trop compris le principe de celle-là. Le mieux c'est bah, le lance-flamme qui est plutôt pas mal, la première arme qu'on a dans le jeu. Et le lasso. Voilà, le fouet qui a une grosse attaque de zone et ça c'est pas mal. Et on fait une light dash avec cette arme aussi, avec Y. Bouge à la vitesse de l'éclair, c'est près des rings ou ennemis, c'est le light dash. Hein. Sauf qu'on pouvait pas faire sur les ennemis avec le light dash avant. C'est une nouveauté. Donc sinon ça a l'air sympa, tiens, on va créer une plateforme même dans les airs. Alors on va se mettre ça, ça va être la découverte. Personnellement j'ai utilisé que trois armes différentes. Et je vais vous montrer un peu ma skill. On va faire un niveau que bah, pratiquement tout le monde connaît, hein, avec les trailers. Sunset Hague. D'ailleurs c'est assez étonnant que ce soit le stage 15, moi je m'attendais que ce soit limite le premier. Mais bon, c'est parti. Vous allez voir de quoi il en retourne, hein. C'est un Sonic hein, comme Generation un peu. Sauf qu'il y a beaucoup moins de... Il y a beaucoup moins de phases 3D. Beaucoup moins de phases de plateforme 3D, donc là c'est un peu... Celui-là c'est un peu le seul niveau où il y a de la 3D.
Voilà, ça va très vite, hein, comme d'habitude. Alors, c'est il me semble que c'est pas le moteur du jeu, il me semble que c'est pas le Hedgehog Engine. C'est un nouveau moteur. En tout cas, sur PC, ça en jette. Oh là, c'est le même gameplay que Generation, avec quand même un peu quelques différents. Quelques mouvements en plus, et puis surtout la maniabilité qui est assez étrange pour ma part. Après, là, je me suis un peu habitué, mais par rapport à Generation, je sais pas, les sauts ils ne se font pas très naturellement. Après, faut surtout s'y habituer. Mais c'est surtout flagrant avec Sonic classique. Et sinon, avec l'Avatar et Sonic moderne, ça va. Et par exemple, Sonic moderne, il a des sauts. Il peut pas sauter très loin en fait. Ou alors, si on veut revenir à gauche, il revient pas tellement à gauche, il freine d'un coup. Ah, c'est un peu bizarre la maniabilité des sauts. Ah, faut s'y habituer. C'est un peu ce que je trouve dommage, et c'est surtout les faits avec Sonic classique, je les trouve un peu quand même un peu loupé. En tout cas, la maniabilité de Sonic classique, elle est un peu bizarre, principalement. Parce que quand on utilise le spin dash, eh bien, en temps normal, si on tombe dans le vide, bah, il tombe lentement Sonic, et plus. Plus le trou il est profond, plus il tombe vite, évidemment, avec la pesanteur, etc. Donc, logique. Ben, ça, c'était bien rendu dans Sonic Generation. Et là, dans Sonic Force, il tombe comme une pierre soudainement. Voilà, c'est Arthur dans Ghosts and Goblins, là. C'est... Ok. C'est pas tellement logique. J'espère qu'ils vont améliorer ça, je sais pas, avec des mises à jour ou des trucs comme ça. Ça, je trouve ça vraiment quand même bizarre. Hein. Bon, à part ça, Sonic, j'ai trouvé. Voilà, on va faire l'étape 5, 20. Le rubis fantôme d'Eggman. Alors voilà, j'ai parlé par-dessus la magnifique voix de Tails, parce que oui, on a les voix, on a la version française. Bon travail, Tails. Voilà, je vous laisse les dialogues. D'après ces signaux, le rubis fantôme a besoin d'une quantité incroyable d'énergie que seul le Death Egg peut fournir. On n'a qu'à simplement arrêter le transfert d'énergie et boum, le rubis fantôme sera quasiment inexistant. Sonic Boom? Non! Simplement, aux dernières nouvelles, le Death Egg est lourdement fortifié. C'est vrai, mais j'ai un plan. D'abord, on fait diversion. Quand Eggman ne fait pas attention, on utilise l'ordinateur de l'usine chimique pour s'infiltrer dans le système d'armement du Death Egg et on l'arrête. Sans armes, ce sera du gâteau de détruire le Death Egg. Et sans le Death Egg, le rubis fantôme sera inefficace. Tu sais quoi? C'est assez fou pour que ça marche. Alors, il nous faut d'abord un leurre. Je m'en charge. Pas question, Knuckles. Tu es trop facilement distrait. Ce n'est pas une bonne qualité pour faire diversion. En plus, tu es notre commandant. On a besoin de toi ici. Pourquoi pas la nouvelle recrue? Eggman s'y attendra jamais. Il se peut même que ça le déstabilise. Alors, la voix de Silver, c'est la voix de Christopher dans Sonic X. Donc voilà, c'est de mauvais souvenirs. Hein. Bonne idée. Voilà tes ordres, recrue. On n'a plus qu'un jour avant que le plan d'Eggman soit mis à exécution. Alors grouillons-nous. Ah bah, c'était un... On est dans le Green Hill Zone. Alors je trouve que ça se répète souvent quand même les environnements, mais après c'est pas trop un problème en soi. Alors voilà une petite phase avec... Alors qu'est-ce que ça fait le marteau? Ok. Merde. Alors les musiques sont souvent chantées, ça c'est plutôt pas mal. C'est souvent des chansons. Un peu style électro. Ce qu'on aimait dans Sonic Colors, hein. Il me semble dans Generation. Bon, il y a surtout, vous voyez, des phases en 2D comme ça, c'est pas tellement un Sonic 3D finalement. Pas comme Generation où là ça.
Par contre, ça lag à chaque fois que je fais ça. Ça doit être à cause de la... le logiciel de capture, ça. Oui, mais au moins, le logiciel de capture, il vous propose une qualité parfaite. Alors qu'une moitié d'acquisition, il peut pas faire une aussi bonne qualité. Ah, d'ailleurs, en parlant de moitié d'acquisition, franchement, je pense que... Je sais pas dans combien de temps, mais bientôt, je pense que je vais changer. Hein. C'est bon, c'est bien beau les boîtes d'acquisition autonomes, mais bon, si ça propose que du 1080p 30 fps et donc 720p pour mettre en 60. Bon, par contre, faut faire quoi là? Je me suis sauté dans le vide. J'ai sauté direct dans le vide. Ah, par exemple, voilà, la manipulation des sauts, ils sautent assez loin et on peut pas trop freiner le saut. Mais il peut sauter pas très loin aussi. Faut faire attention. Ça dépend si on sprintait juste avant. Alors là, je pense qu'il fallait monter en fait. Et à la place du homing attack, il nous fait une attaque avec son espèce de grappin. Les fichtres, c'est pas possible. Bon, on peut choisir aussi le style de la voix de l'avatar, même s'il n'y a que trois voix différentes. Et j'ai pas mis une voix trop badass, parce que ça ferait bizarre. Hein. Chaton badass. Ok. Elle est pas terrible cette arme en fait. Hein. Enfin, bon, c'est bien beau ça, mais purée, c'est pas possible. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de système de vie. Et on va dire tant mieux d'un côté, parce que bon, ça servait pas à grand chose dans Sonic Generation, les vies. Alors qu'on a récupéré 10 000 et du coup on entendait toujours le jingle de la vie qui était pas terrible dans Generation. Pourquoi ils remettent pas le bon vieux jingle de Sonic the Hedgehog 1? C'est toujours un mystère. Bon, bref, là, hein, ils se sont pas posé de questions, il n'y a plus de vie, voilà. Ah, on gagne carrément des anneaux comme ça. Ah mais purée, mais c'est pas possible. Attends, mais il a vraiment des sauts bizarres là. Je crois que c'est parce que j'ai le logo bleu là qui veut dire peut-être un truc qu'on court un peu plus vite. Parce que oui, les armes nous confèrent aussi un petit bonus. Bon, je crois que je vais changer d'arme après, parce que si... Je suis pas habitué avec celle-là, et si j'essaye de jouer avec cette arme en vidéo, c'est un peu galère. Mais ça, c'est une bonne trouvaille, je trouve, que ça change un peu le gameplay. Et ça nous permet d'avoir une assez bonne replay value. Ah oui, c'est Just, en fait. Non, en fait, on pouvait passer... Moi j'ai cru qu'il fallait ok, avoir l'arme spéciale du... Enfin l'attaque spéciale, mais non, pas besoin. Pour pouvoir créer une plateforme. Par contre là c'est un peu chaud là. Pour avoir l'anneau rouge, what? Bon tant pis. Hein. Bon voilà, vous voyez qu'au début je jouais comme un PGM là. Et dès que le gameplay il change un petit peu, là c'est la cata. Et c'est souvent le cas dans les Sonic. Hein. Et quand on est habitué avec le gameplay de Sonic moderne classique, dès qu'il y a un petit changement là, il faut tout recommencer à zéro. L'apprentissage. Ah mais ce boss je l'ai déjà vu aussi dans un trailer.
Bon, vous avez pas de bol, en fait, c'est que les moments où il y a le trailer. Hein. Voilà, dans le trailer, il m'avait pas l'air très compliqué. Ah, bon, en fait, il spoilait un peu quand même, hein. Il montrait assez loin dans le jeu. Voilà, il s'énerve. Bon, ça, c'est les QTE à la Call of Duty. C'est-à-dire des QTE très simples. Mais vraiment. C'est impossible de se louper. À part si on s'appelle Parne le Caïd. Ou Géraldine, la grand-mère des prés. D'où ça vient ce nom? Ah, magnifique. Voilà, donc là, par contre, ce qui est un peu pénible, c'est que... Voilà, il y a trop d'accessoires, il y a trop de conneries qu'on gagne. Voilà, dès qu'on a une bonne note, c'est parti. Sachant qu'ils sont très généreux au niveau des notes, parce que là, j'ai super mal joué, et vous voyez que j'ai quand même... Ah, donc voilà, il y a un petit problème, hein. Bon, les niveaux, globalement, aussi, ils se finissent très rapidement. C'est peut-être un petit défaut à ce Sonic Force par rapport à Generation qui a des niveaux plus longs. C'est bon, c'est vrai que c'est pas bien quand les niveaux sont trop longs, mais trop courts, c'est la même chose. Par exemple, le niveau que j'ai fait juste avant, l'étape 15, globalement, il est plutôt cool, mais quand tu le compares au niveau de City Escape de Generation, mais voilà, City Escape, il enterre mais complètement le niveau de Sonic Force. Alors c'est quand même un jeu, Sonic Generation, de 2011. C'était 6 ans plus tôt. Il y a un petit problème. Et moi je m'attendais, quand je voyais le trailer, je m'attendais... mais oui, mais là il te montre... c'est le premier niveau. Mais non, en fait c'est l'étape 15. Et je me disais après, peut-être que... Dans la démo, le niveau il dure 2 secondes. Mais dans le jeu complet, il est plus long. Il est plus stylé, parce que en plus l'environnement, je trouve qu'il... Il est parfait, quoi. Moi, je m'attendais à un niveau assez impressionnant. Finalement, il est impressionnant visuellement, mais il dure que 1 minute 30. Même pas. Ok. 1 minute 10. D'accord. 2 minutes, c'est le temps parfait. Hein. Je crois que c'est 2 minutes 40 si on le fait un peu normalement, ou 3 minutes même, City Escape. Enfin, si on se débrouille très bien, on a 2 minutes 20. Donc voilà, quand même. Oui, parce que je speedrun de mon côté vite fait Generation. Bon, j'ai pas fait, je vous montrerai ça plus tard en vidéo, mais je sais pas quand. Et voilà, il est très sympa à speedrunner, Sonic Force. Il va être sympa à speedrunner, mais je pense que je vais prendre moins de plaisir que Generation. Pour l'instant, tout va bien. Si la recrue s'en sort bien, faudra lui trouver un nouveau surnom. Milka. Ah ouais, bref, surtout le point fort des Sonic, même des, je parle aussi des Sonic 2D, c'est le replay value. La première fois que tu fais le jeu, tu te dis qu'il est très bon, enfin s'il est maîtrisé, par exemple comme un Generation ou le dernier Sonic 2D en date, Sonic Mania, tu te dis il est très bon, mais quand tu le refais, tu te dis il est encore meilleur, parce que c'est là que le jeu devient vraiment plus intéressant quand tu essayes de battre ton corps, de faire un temps presque parfait. C'est vraiment la force de ces jeux-là, alors que, par exemple, les Mario, la replay value, ah, c'est un peu le néant. Moi, par exemple, quand j'avais fait Mario Galaxy, voilà, après, je l'ai parfait. Ou alors, quelques niveaux vite fait, mais c'est plus de l'exploration, et quand c'est de l'exploration, c'est moins sympa à refaire. Voilà. Donc, moi, j'ai une petite préférence pour les Sonic, personnellement. Même si, bon... je suis méga hype par le nouveau Mario, évidemment, Mario Odyssey. Mais ça sera pour Noël. Alors pour l'instant, tout va bien, si la recrue s'en sort bien, faudrait lui surnommer. Retrouver les ordinateurs à l'usine chimique et éteindre le système d'armement du Death Egg. Ah, le Death Egg. Ça fait un moment que j'attends d'entrer en jeu. Ah, d'ailleurs, il y a eu une grosse, mais vraiment. Comment, un gros clin d'œil de Star Wars.
l'étoile noire. Bah déjà le Death Egg, évidemment, ça fait penser l'étoile noire dans Star Wars. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Il y avait une phase avec Sonic, quand on était sur des vaisseaux, bon, on jouait presque pas, c'était une phase à QTE. Mais visuellement, c'était hyper impressionnant. Bon, de toute façon, graphiquement, hein, de toute façon, c'est pas surprenant. Hein, mais... Quand je ferai le vidéo test, voilà, je dirais que du bien. Hein, parce que la qualité graphique est exceptionnelle quand même. Et ils ont réussi quand même à faire tourner un jeu comme ça sur Switch. Chapeau. Après, il reste quand même moins beau sur Switch, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait, c'était quand même assez impressionnant. Bon, après, c'est en 30 FPS. Ça me rebute beaucoup, moi et le 30 FPS, ça fait 2. Bon, même si sur PS4, il est en 60 FPS aussi, mais moi et la manette de la PS4, ça fait 2. Donc, le choix est vite fait. PC. Manette Xbox, parfait. Voilà, l'épisode suivant, là c'est en bleu comme ça, il me semble que c'est un niveau avec Sonic moderne. Je suis pas sûr. Sachant qu'il n'y a pas énormément de phases avec Sonic moderne, c'est un peu dommage parce que c'est pour moi les plus réussis. Bah, on trace de la même manière que dans Generation. Et il y a comme d'habitude beaucoup de passages secrets. Donc faut refaire le niveau quoi, faut le connaître par cœur pour pouvoir le finir le plus vite possible. Et voilà, là quand même je trouve qu'on revient souvent sur Chemical Plant ou après d'un côté c'est parce que c'est pour que ça soit logique au niveau du scénar. Alors que dans Generation ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Hein. Ah, par contre, point noir par rapport à... Mince. Par rapport à Generation, attention, l'anti-aliasing, il est de moins bonne qualité. Voilà, je chipote à donf. Hein. Oula, il y a de l'eau. Alors, les musiques, je les trouve excellentes. Ça, y a pas de problème. Hein. L'OST, de toute façon, dans les Sonic, c'est souvent quand même le point fort de la série. Il y a quel jeu de Sonic où l'OST était moyenne? Bah, il y a Shadow of the Hedgehog. À part le thème principal fait par Crush 40, qui est le groupe attitré de Sonic, groupe de hard rock. Eh bien, c'est ceux qui ont fait Open Your Heart, l'un des meilleurs thèmes du monde. City Escape aussi, c'est eux. Mais oui. Donc voilà, c'est vraiment eux qui ont fait la meilleure OST des Sonic. Et moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus Crush 40 là. Parce que bon, certes, je trouve bon, très bon les thèmes là qu'on a en fond. Mais ça ne vaut pas quand même les thèmes que faisait Crush 40 dans Sonic Adventure. Parce que c'est eux aussi qui. Ah purée, c'était rapide là. C'est eux aussi qui interprétaient les musiques les musiques instrumentales en instrumental où il n'y a pas de parole, c'est aussi eux qui faisaient ça. En tout cas, quand il y avait du hard rock, beaucoup de guitare. Ça, je trouve que ça collait parfaitement bien à la série. Et les musiques qu'on a en fond là aussi collent bien à l'univers, mais. Ah, ça c'est peut-être que je fais mon vieux nostalgique, je sais pas. Mais je préfère Crush 40. Après, le thème principal de ce Sonic est quand même excellent. Il est quand même mieux que le thème principal de Shadow of the Hedgehog. Alors que celui de Shadow of the Hedgehog était excellent aussi, hein, il était très bon. Fait par Crush 40. Bon voilà, j'ai eu S alors que j'ai fait. Je suis tombé quand même. Je suis un peu déçu pour ça, les rangs c'est un peu trop généreux. C'est surtout si, bon, t'as ramassé 86 rigs, bon bah c'est bon, t'as un S. Même si t'es tombé 10 fois, bah c'est pas grave, tu vois. Ah, il est plutôt sympa le t-shirt là, la Dragon Ball Z.
C'est Shenron. Oula, ça par contre c'est dégueulasse. Voilà, alors je me suis à moitié spoilé. À ce qui paraît, il y a 30 stages principaux. Je dis bien principaux parce qu'il y a des stages cachés aussi qu'on peut découvrir en finissant bien certains stages. Donc après, je sais pas combien de stages il y a en tout. Grosso modo, ah purée, ça avance vite là. Ah oui, parce que au début, quand on continuait les stages, quand je faisais les stages de mon côté. Le pourcentage là, il n'allait pas aussi vite. Donc oui, c'est vraiment à la fin que le pourcentage il va vite. Et en fait, c'est toutes les zones voilà qu'on a libérées. Voilà, par exemple, il y a cette partie là grise qui reste. Et si jamais on fait toutes les étapes d'ici et que ça se recouvre en bleu, bah, évidemment, ça augmentera le pourcentage. Donc après, c'est logique que ça aille plus vite après. Bon bah on continue. Bon, la voix de Rouge est un peu bizarre. Pourtant j'ai l'impression que c'est la même doubleuse que dans Sonic X. Et je sais pas, on dirait qu'elle est pas à fond. Elle est pas à fond dans son rôle. Il y a certaines voix qui sont moyennes, je trouve. Mais bon, globalement ça va quand même. Oula, comment il a parlé par contre là, c'est de genre vide babouche. Emploie le mot banana en anglais. Tu vas sauver le monde. Je te rappelle que c'est l'étoile noire, bordel. L'autre Sonic a la situation en main. L'autre Sonic, évidemment, bah, c'est Sonic classique. Et vous allez voir. Attention, gros point faible du jeu. Le spin dash. Bon déjà, le spin dash, on peut pas le faire direct avec le bouton X comme dans Generation. Donc on est obligé de faire ça. Bon, à l'ancienne, hein, vers le bas et appuyer plein de fois sur A. Et voilà, voilà. Parfait exemple. Voilà, on tombe comme une pierre. Dans Generation, on serait tombé plus doucement. Et on aurait pu un peu diriger le spin dash. Bah là, non. Voilà, par exemple, je le fais là. C'est pas réaliste. Et même si je fais ça... Je sais pas, la maniabilité elle est bizarre quand même. Dans Generation Sonic classique, je me souvenais qu'il y avait des moments où c'était un peu bizarre aussi. Enfin après je m'étais habitué mais... Mais quand tu le compares à... Quand tu le compares à Sonic... des Sonic 2D, c'est pas exactement la même chose. Même si elle m'a habité, elle restait quand même très bonne dans Generation. Alors que dans Force, là, je sais pas. Hein. Alors, je veux pas être méchant, mais bon. Elle est un peu bizarre. Mince. Il y a des robots qui me tombent dessus. Comment tu veux esquiver ça? Ah oui, aussi. Alors dans ce Sonic. Dans ce Sonic Force, ils ont repris. Sega ont repris quand même pas mal. Enfin, ils ont repris deux choses principales de Sonic Mania. C'est-à-dire que la première chose, c'est juste un bruitage. C'est le bruitage du méchant quand il apparaît, quand il se téléporte. C'est exactement le même bruitage dans Sonic Mania. C'est exactement le même bruitage quand on voyage dans le temps. Mais vraiment, hein. C'est pas comment vous expliquer, mais bon, vous verrez si vous jouez de votre côté. Un gros clin d'œil à Sonic Mania, hein, je sais pas. Ou alors, pompage. Ces gars, ils pompent sur ses fans. Non, pompent les idées de ses fans, je sais pas. Bon, aussi, voilà, il y a ça aussi, voilà. Le spin dash dans les airs, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est un mouvement plutôt sympa. Et, encore une fois, dans Sonic Mania, c'était... La maniabilité était parfaite de ce mouvement-là. Là, je la trouve assez bizarre aussi. Là, je vais vous montrer. Voilà, il tombe comme une flèche. C'est bizarre, quoi. Du coup, quand je me dis ah, ben, je vais atteindre facilement cette plateforme, parce que je me dis qu'on est dans Generation, enfin que c'est la même chose,
Je me dis, ok, on fait ça, et en fait, je tombe comme une merde. Alors que dans Generation, je serais pas mort. Et c'est plus logique dans Generation. Fichtre. Il pouvait améliorer des choses quand même dans Generation, mais... ça avait quand même une bonne amabilité, alors que là... c'est quand même bizarre. Hein. C'est dommage. Après, globalement, ça reste quand même jouissif, c'est sympa. Il y a juste un niveau que j'ai trouvé pourri. Voilà. Là, vraiment... purée. J'ai vraiment pesté sur le jeu, là. Attention. Oh là là. Ah ben, je crois que lui aussi, je vais pas l'aimer. Alors, c'est qu'il faut... c'est des niveaux, surtout, où faut pas trop utiliser le spin dash. Contrairement à Generation, où... même en allant vite, ça passait. Là, il y a plus de plateformes, voyez-vous, c'est quand même pas mal à ce niveau-là. Ah, purée. Ah, ah oui, d'accord, la plateforme qui t'écrase direct. Bon, ils sont vraiment cool au niveau des checkpoints, hein. Il y en a partout. On se croyait dans Rayman Legend, là. Purée. Il y a quelques animations aussi parfois un peu hachées de Sonic classique, encore une fois. Et Sonic classique, il n'est pas très réussi. Hein. Dommage. Purée, mais j'ai sauté pourtant. Je sais pas, j'ai plus l'impression à jouer à un jeu bêta que... qu'un vrai Sonic 2D, là. Dans Generation, j'avais pas cette impression. Mais bon, en le speedrunnant, voilà, y a aucun problème. Là, je sais pas, la maniabilité, elle est bizarre. Il est à la fois rapide et à la fois rigide. C'est assez étrange. Hein. Mais rigide, souvent quand le personnage est rigide, c'est, il est assez lent aussi. Bah là, non. Il est rapide. Après, je dirais aussi qu'ils ont un peu enlevé quand même... la sensation de vitesse par rapport à Generation. Bon, ça, c'est pas un mal en soi. Parce que bon, il n'y a pas que la vitesse dans Sonic. C'est comme sur PC, il n'y a pas que la puissance sur le PC. On peut faire, aussi faire tourner des vieux Mega Man. Bon, même si le mec, il s'achète un PC à 1000 balles et... et qui fait tourner Undertale, voilà. Where the Binding of Isaac, le jeu ultra cher sur Switch, mon dieu. Pourquoi il est aussi cher sur Switch? 40 euros. Jamais vu ça. C'est encore pire que d'acheter un Call of à 70 euros, c'est incroyable. Je sais pas. Ou quoi que je vais peut-être un peu loin. Ah, de nouveaux costumes, tout ça. Il y a beaucoup de phases avec l'avatar. Ah, cinématique. J'ai pas de pied, et toi non plus, mon pote. Pas la peine de me le rappeler, mon pote. Plus que 5 heures avant l'exécution du plan. Infinite, battons stratégiquement en retraite, afin de mobiliser nos forces. Ah, battre stratégiquement en retraite, vous voulez dire... fuir la queue entre les jambes? Cela ne me plaît guère, docteur. Tais-toi et contente-toi de me suivre. Les cinématiques, à noter que les cinématiques sont en 30 fps. Très important. Et elles sont un peu plus floues, c'est assez étonnant par rapport au jeu de base. Donc je suppose que c'est cinématique reprise de la version console, donc peut-être PS4. Ou Xbox One, j'en sais rien. Ou Switch. Mais bon, ça m'étonnera un petit peu là. Mais bref,
si vous avez bien entendu, s'il y avait le bruitage de Sonic Mania, et en plus aussi, en prime, eh bien, la voix du grand méchant, le nouveau méchant, le méchant pas beau, eh bien, il est doublé par Patrick Bourne. Et ça, c'est beau. Alors déjà, dans Conflict Vietnam, Patrick Bourne, il double pas mal de personnages, donc ça me donne envie de continuer de jouer à Conflict Vietnam, même si ce jeu est un peu pourri. Mais là, en plus, dans un Sonic, et que demande le peuple? Ah, c'est... Bah, pour situer le truc, hein, si vous savez pas, c'est Patrick Bourne, c'est celui qui a fait la voix de Sangoku. Voilà. Enfin, qui fait la voix de Sangoku dans Dragon Ball. Sangoku adulte, évidemment. Donc là, je me dis... Ah tiens, en plus, c'est une phase avec Sonic moderne, c'est bien ça. C'est une meilleure phase, hein, pour moi. Les moins bonnes phases, c'est ce phase avec Sonic classique, hein, vraiment... Je m'attendais que ce soit vraiment excellent, les Sonic classiques, comme sur Generation, parce que... Moi, j'aimais vraiment les deux, hein, dans Generation, entre moderne et classique, j'aime les deux styles. Là... Je préfère de loin celle de Modern, parce que celle de Modern, ils ont gardé un peu la maniabilité de Generation. Alors que dans celle de Sonic classique, je sais pas, elle est à moitié bizarre. La maniabilité. Alors vous avez vu, hein, ça fait un peu jeu bêta. Je suis peut-être un peu dur là, mais bon, quand je le compare à Generation, que j'ai maintes et maintes fois speedrunné. Bon, je vous ferai un speedrun de Sonic Generation quand vraiment je trouverai que mon speedrun vaut le coup, vaut la chandelle, hein. Qu'il n'y ait pas de fail, ou peu, et ça sera sans, il n'y aura pas de coupure, contrairement à mon speedrun de Sonic 4, que je n'ai pas encore mis en ligne d'ailleurs, et qui date de presque 2 ans, c'est magnifique. Alors, Metropolitan, c'est magnifique comment je le dis, Metropolitan Highway, alors l'autoroute métropolitaine, la France métropolitaine, vous voyez, Metropolis. Bon, bah, on va faire ce niveau-là. Alors aussi, je vous ai pas dit, mais il y a une... Voilà, il y a des petits défis, hein, à remplir, bon. Par exemple, avoir le rang S au stage 23, etc. Bon, moi, ça m'intéresse d'avoir les rangs S à toutes les étapes, hein, comme toujours. De toute façon, je pense que je speedrunnerai un jour, je le speedrunnerai. Hein. Puis quand je ferai vidéo test, ça sera pas que quand j'aurai fini le jeu. Le vidéo test, je le ferai après avoir pas mal rushé sur le jeu plusieurs fois. Pour vraiment donner mon avis, et peut-être que je me plante vraiment pour la maniabilité de Sonic classique, si ça se trouve, c'est très jouissif, si ça se trouve c'est super, mais faut y jouer différemment. Voilà, ça c'est un petit défi, hein, c'est pas grand chose. Ah oui, ça aussi, c'est j'ai pas trop compris ce que c'était là, SOS, ça nous redemande de refaire les niveaux. Ah tiens, en plus c'est l'étape 15, bon bah je ferai ça en off, hein. C'est bon, je vous ai montré l'étape 15. Mais en gros c'est... On part sauver un rescapé, je sais pas quoi. Mais je ne sais pas où il est, à chaque fois je l'ai pas trouvé, donc ça me mettait mission échouée à la fin. Magnifique. Il y a juste une fois où j'ai réussi, mais je sais pas pourquoi. Ah, et aussi, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à un seul fail dans les missions SOS. Sinon c'est mort. Bon, là, évidemment, ça vous spoil, hein, parce que Shadow, au début, il est pas gentil. Mais c'est pas grave. Les Sonic nous ont ouvert la voie. On ne peut pas gâcher ça. C'est le moment qu'on attendait tous. L'heure du règlement de compte. Oui, Christopher. Maintenant qu'on s'est débarrassé du rubis fantôme, on peut réduire Eggman en bouillie. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Qu'est-ce qu'il fait là, Silver, en fait? Parce que bon, à part être le Capitaine Obvious de la bande... voilà. Qu'est-ce que... C'est quoi son utilité? Oui, à un moment, dans une cutscene, il combat le grand méchant, mais c'est dans un combat assez stylé. Mais à part ça... Ok. Hey,
ce vieux proverbe. Rouge a raison. Avec Eggman et Infinite toujours dans le coin, on peut pas baisser notre garde. Je veux seulement que tout le monde rentre sain et sauf, d'accord? Ok, très bien. Tenez-vous tous prêts. La cible, c'est Eggman dans la tour centrale. Ah, donc une bonne vieille phase avec Sonic moderne. Ah, je vous ai pas dit aussi, il y a une quatrième phase, oui. Il n'y a pas que trois phases, il y a une quatrième phase. Alors c'est encore en 2D. Ah, et Metropolis, c'est ça. Ah, mais non, j'étais déjà passé avec l'avatar. Mais d'un coup, je me dis, en fait, c'est un endroit repris de Sonic Heroes. Mais oui, c'est magnifique. Évidemment, c'est avec un thème complètement différent. Encore heureux, hein, ils se sont, au moins, ils se sont permis de changer les thèmes. Hein, quand, par exemple, quand on refait le Green Hill Zone, ils ont quand même changé le thème. On va pas encore une énième fois entendre le même thème, bon, qui est culte, faut le dire, mais bon. En tout cas, ce Sonic Force me fait plus penser à Sonic Colors que Sonic Generation d'un côté. Je parle pas pour son gameplay, mais pour ses environnements. Je sais pas, un environnement comme ça, où on est dans une espèce d'usine. Bon, qui a une fusion entre Sonic Heroes et Sonic Colors, mais ça fait plus penser à Sonic Colors. Après, c'est les mêmes qu'on fait Sonic Colors, donc voilà. Et Generation. Bah, Sonic Team, quoi. Ils ont fait Sonic Heroes aussi, il me semble. Ah. Bah oui, la plupart des Sonic finalement. Mais il me semble que c'est le groupe en question qu'on fait. Parce que bon, il y a plusieurs groupes dans la Sonic Team évidemment. Et c'est les mêmes développeurs, voilà. Les mêmes développeurs qu'on fait Generation. Principalement, et Colors. Qui date un peu déjà Colors. Il me semble qu'il était sorti en 2010. Et fin 2011 pour Generation, ou 2012. Il y avait quand même pas mal de Sonic avant. Là, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas un réel Sonic 3D, hein, à part le Sonic Boom dernièrement. C'était pas tip top. Alors, je suppose qu'on va avoir un boss. Ça me fait toujours marrer les personnages qui t'attendent derrière le rideau, voilà, de fin de niveau. C'est magique. T'as Eggman qui attend sagement Sonic arriver. Oula, un casque à la Dark Souls. Que se passe-t-il? Bon, je vais pas le mettre parce que bon, je vais toujours avoir la gueule de chaton. Bon, pour ceux qui veulent être un vétéran de Dark Souls, hein, je sais pas. Ah, et ben voilà. Bon, eh, dernière étape. Et après, c'est fini. Parce que bon, ça fait déjà 43 minutes. Comptant l'intro en plus, quasiment 44 minutes. Sachant que la vidéo, faut qu'elle soit en 1080p 60 fps, donc ça sera assez lourd. Je suis content que tu aies pu venir à tes propres funérailles. Infinite, à toi! Prends ça. Et c'est quoi ce truc? Ah, ah! Ceci, mon très cher petit hérisson, c'est une bulle de néant! Une bulle de néant? C'est un petit quelque chose que le rubis fantôme a concocté. Un espace totalement hermétique où absolument rien n'existe. Adieu, Sonic, mon très cher rival bientôt éradiqué. Je te laisse profiter du néant. Non, lâche-moi! Tu vas te faire assumer aussi! Mais pourtant, on a détruit la source d'énergie du rubis fantôme! Puisque vous détruisez toujours la source d'énergie de mes armes, j'ai décidé d'apprendre de mes erreurs. J'ai fait construire une alimentation de secours sous Metropolis. Et donc là, c'est une phase où c'est une fusion, c'est Sonic
en duo avec l'avatar. Et c'est souvent des phases assez sympas. Aussi. Oui, et là évidemment j'ai joué comme un PGM, mais non, en fait c'était une cutscene. Donc c'est parti. Alors bon, je vous ai pas trop parlé de l'histoire. J'en parlerai peut-être en vidéo test, là je veux pas... j'ai un peu la flemme d'en parler. Alors après c'est une histoire assez classique, hein. Plutôt sympa, bien amenée je trouve. Mince. Là par exemple on peut utiliser notre poteau et faire des homing attacks en même temps, donc c'est assez stylé. Et encore une fois, mais bordel, la zik est magnifique. Et le jeu est magnifique. Après, moi, je comprends pas ceux qui crachent sur ce Sonic Force, parce qu'il y en a déjà. Hein. Ils ont soi-disant pas mal rushé le jeu. Pas mal torché le jeu. Il y en a même qui l'ont fini et qui sont assez mécontents. Globalement, moi je vous dis, à part les phases de Sonic classique, où il y a vraiment un niveau qui est pourri, c'est les espèces de Casino Night là, mais de bas de gamme. Vraiment. Là j'ai l'impression par contre que c'était un fan game. Hein. Mais vraiment. Mais bon, je suis allé trop loin là. Fichtre. Ah, j'ai fait arrêter la musique. Ah, c'est pas bien ça. Ouais, quand même toujours un peu de rock, hein, évidemment. Mais c'est pas du hard rock vraiment métalleux, vous voyez. C'est quand même moins hard. C'est plus un petit rock des familles, comme ça. Un petit passage de guitare électrique, vite fait. Bien placé. Vraiment pas mal ce niveau. Voilà, vous voyez, là on s'amuse. Ils sont vraiment sympas ces niveaux-là. Alors que les niveaux de Sonic classique, encore une fois, dommage. Ah, c'est quand même cheaté cette arme. Ah. Alors là, on surprend Dr. Eggman, je suppose, mais bon, là il a un peu de tension, il nous a pas vu. Ah oui, S. Quand même. Bon, j'espère qu'il y aura un contre-la-montre ou un truc qui nous permettra de faire vraiment un... enfin, de savoir si on fait un temps exceptionnel ou pas, parce que là on a l'impression qu'on fait toujours des temps exceptionnels même en tombant. Je ne comprends pas. Alors qu'évidemment quand on tombe on perd du temps, hein, parce que comment dire, par exemple si on a eu le checkpoint à 30 secondes et qu'après on tombe à 1 minute, on reprend le checkpoint, ils nous remettent pas à 30 secondes. On reprend direct à 1 minute. À partir d'une minute. Échapper non plus sans l'aide de mon ami, mais ça tu ne pourras jamais le comprendre parce que toi tu n'as aucun ami. Ça ne change absolument rien. Sache que le docteur Eggman aura toujours le dernier mot. Peut-être qu'il aurait plus d'amis s'il arrêtait de parler de lui à la troisième personne, non? Ah, toujours les fameuses petites vannes. Le Sonic, hein. Petite blague à deux balles, mais bon. C'est sympa. Donc voilà, bah, pendant la vidéo, on a quand même débloqué deux stages secrets que bah, je vais faire ça en off. Donc voilà, Sonic Force. Alors, Alors, attendez. Sonic Force, quand même.
de base était proposé à 35€ sur console et 40€ sur PC. Que bon, prix très. C'est vraiment pas cher, c'est prix très honorable. Et dès que le jeu est sorti sur console et sur PC, bon, c'est toujours resté à 40€ évidemment. Steam, il n'y a pas de solde, pas dans un jeu aussi récent. Mais par contre, sur console, il est d'un coup, enfin, en tout cas sur Switch, j'ai vu, il est à 27€. Ok. Donc là, franchement, si vous aimez les Sonic, bah foncez. Si vous avez une Switch, une PS4, ou même une Xbox One, mais qui a une Xbox One? Enfin bref. Voilà, forcément, fallait forcément que je crache sur la Xbox un jour dans la vidéo, à un moment. Mais bref, ceux qui ont une console next gen, ou un PC potable, enfin, faut quand même avoir un bon petit PC pour faire tourner ce jeu. Mais voilà. Non, c'est sur PC et pas 27€, non, sur console, voilà. Franchement, moi je vous conseille plus de le prendre sur PS4. Après, c'est que mon avis. Et sur Xbox pour la manette. Et sur Switch, si vous voulez, il jouait partout. Il faut savoir qu'évidemment que c'est la moins bonne version. Donc voilà, sur ce, qu'est-ce que je peux dire en plus d'autre? Voilà, Sonic Force, c'est quand même une petite surprise, c'est quand même un bon petit jeu. Après, moi, je m'attendais à ça, hein, c'est pas un jeu maîtrisé, évidemment, comme Generation ou Colors. Et c'est pas Big Red Bouton, évidemment, qui sont à l'origine des Sonic. Hein. Sonic Boom, on l'a bien vu. Donc voilà, sur ce, le vidéo test arrivera un jour, je préfère pas donner de date. Sur ce, à la revoyure pour de nouvelles aventures.